Iyo bantu abami wozanine kaya. Iyo. Madagascar, raconte la légende, s'est arraché à l'ancien continent Mu, baptisé par la suite Gondwana. C'était il y a 120 millions d'années. L'île s'étend sur 587 000 km carrés et plonge ses 5000 km de côte directement vers les abysses, sans plateau continental. Terre de contraste et d'harmonie. La grande île offre une grande diversité de milieux naturels, allant de l'exubérance tropicale au dépouillement des zones arides. Terre multicolore. Île continent. Terre d'accueil pour des faunes et des flores rencontrées nulle part ailleurs. La légende raconte que quelques lémuriens de grande taille sont devenus des hommes. Observez le caméléon. Sa démarche lui permet d'aller de l'avant sans oublier ses arrières. L'île est la maison de 5% des espèces végétales et animales de la planète. Sur les 8 espèces de baobab dans le monde, 7 se trouvent à Madagascar, dont 6 endémiques. 90% des plantes à fleurs de Madagascar, 95% des reptiles, 98% des espèces de grenouilles sont endémiques. Méga biodiversité. De multiples menaces pèsent sur cette terre flamboyante. Changement climatique. Surexploitation des ressources naturelles par une population très pauvre et sans alternative durable. Culture sur brûlis. Feux de brousse. Divers trafics. Chasses illicites. En janvier 2005, l'État malgache avec WWF et Conservation internationale ont créé la Fondation pour les aires protégées et la biodiversité de Madagascar, reconnue d'utilité publique. En 2012, 5 promoteurs et gestionnaires de sites bénéficient des financements de la Fondation. À part Hachit Madagascar et Peregrine Fund, la Fondation appuie aussi 9 sites de Madagascar National Parks, dont le Parc National de Machoal avec une superficie de 230 000 hectares. Wildlife Conservation Society avec le Parc Naturel de Makir et ses 372 470 hectares. Et 2 sites de Missouri Botanical Garden, dont le site de Lurundi renfermant 1659 hectares et qui est l'un des nouveaux bénéficiaires du soutien de la Fondation. L'amélioration des conditions de vie et la responsabilisation des populations garantissent une gestion durable des ressources naturelles. Dès le démarrage, la population locale et les autorités locales sont impliquées dans les activités comme la création du plan de gestion du site, le zonage et la détermination des indicateurs de suivi. Différentes formations sont aussi organisées afin de les engager dans des activités liées au tourisme. Ainsi, face à la mauvaise gestion des ressources naturelles, à la pauvreté qui gagne du terrain, à la croissance démographique galopante, chaque année, quelques 200 000 hectares de forêt disparaissent sur la grande île. Plusieurs espèces sont menacées d'extinction. Investir dans la Fondation pour les aires protégées est un placement à long terme. C'est un pari sur le maintien de l'intégrité de la diversité biologique de Madagascar.
à nos enfants, nous avons le devoir de léguer la terre dans son intégrité.